Bonjour, c'est Ben Dia. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce matin combien de Français et de quelle manière vont être rapatriés de Chine dans les prochains jours Alors ça se fait évidemment sur la base du volontariat puisque ce que nous avons souhaité c'est mettre à l'attention de nos compatriotes à Wuhan un dispositif qui leur permette le cas échéant de rentrer en France dans de bonnes conditions et de la manière la plus rapide qui soit. Donc actuellement notre consulat effectue un recensement pour mmh. savoir qui doit partir et donc pouvoir ajuster le dispositif en Fonction. Chiffres. Je n'ai pas encore de mmh. chiffres à vous communiquer. Ce que je peux vous dire en, en revanche, c'est que euh, cette, euh, ce rapatriement se fera par voie aérienne. Et, et, et sans escale. Hein, c c euh, oui, tout à fait, de alors, manière directe. Euh, L'objectif est que nos ressortissants puissent ensuite être accueillis dans de bonnes conditions. Et déplacés, euh, il faut le dire, euh, à l'isolement, enfin dans une espèce oui, de quarantaine sûr, pendant à peu mesures, près deux semaines. Il y aura une mesure de confinement, ce qui est tout à fait normal pour ouais. év éviter la propagation ouais. sur le sol éventuellement euh, du coronavirus. Il y a euh, jusqu'à maintenant Trois cas confirmés en France, tous revenaient de cette région de Wuhan euh, en Chine, le foyer de l'épidémie. Et pourtant, les services d'urgence croulent sous les appels. Euh, les masques de protection sont devenus quasi introuvables. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, de panique un peu déraisonnable Alors évidemment, il y a des choses. On entend des choses qui sont extrêmement inquiétantes. Moi, je comprends parfaitement que bon nombre de nos concitoyens se posent des questions. Mais je oui. veux, à ce micro, les rassurer très largement parce que, à ce stade, la situation est parfaitement sous contrôle. On on a pris en charge très rapidement les personnes qui étaient malades. On dispose d'un test qui nous permet, en quelques heures, de savoir si on est vraiment atteint du coronavirus. Et euh, les services d'urgence ne sont pas euh, débordés euh, loin de là. Ce que nous avons souhaité faire, c'est faire en sorte que les gens ne se déplacent pas dans les mmh. hôpitaux. Et donc, on a concentré les choses sur le 15, qui est un numéro d'appel qui permet d'avoir un médecin régulateur qui euh, va vous poser un certain nombre de questions, évaluer votre situation et décider, le cas échéant, de vous envoyer une équipe médicale. Le chômage. En... Il a enregistré une baisse importante en 2020, moins 3,3%. Le taux de chômage de la population active s'établit désormais à 8,6% au troisième trimestre. Euh, pendant sa campagne présidentielle, il faut le rappeler, Emmanuel Macron s'était fixé l'objectif de parvenir à 7% à la fin de son mandat, à la fin de son quinquennat en 2022. Donc l'objectif se rapproche. Euh, il y a d'autres chiffres encourageants, notamment sur le taux d'attractivité de la France. On en a pas mal parlé ces derniers jours. Et pourtant, les Français sont inquiets, vous devez le sentir. Ils sont euh, inquiets mais aussi mécontents, hostiles aux, aux réformes, en particulier celles des retraites. Comment vous expliquez ce, ce décalage Je crois que notre pays sort d'une très longue période depuis la crise des subprimes, euh, dans les 2008. années 2008 ouais. exactement, euh, qui a été une période difficile. On n'a pas eu d'austérité en France comme ça a pu être le cas dans d'autres pays européens, je pense en particulier à la Grèce, mais effectivement, l'activité économique s'est fortement ralentie. On a beaucoup de nos compatriotes qui sont tombés au chômage, au chômage de longue durée, et donc ça ne s'efface pas d'un coup de baguette magique. On a des résultats qui sont très encourageants, il faut qu'on continue sur cette pente-là. On est aujourd'hui devenu l'un des pays les plus attractifs en Europe, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui veulent venir en France, s'implanter et évidemment produire de l'emploi ici. Il y aurait donc comme une espèce de mémoire collective de la crise Je pense qu'il y a alors qu ne serait un petit temps d'adaptation. Ouais. Il y a un temps d'adaptation euh, à ce que, au fond, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, mmh. vous avez confiance dans le système C'est quand votre cousine, euh, votre copain, euh, quelqu'un de votre famille a retrouvé un emploi mmh. alors qu'il était au chômage depuis mmh. longtemps. Et donc, c'est parce que vous avez vous-même une expérience du retour de l'emploi dans votre entourage que vous y croyez. C'est ce à quoi on s'emploie. Plus il y, y aura retour de l'emploi, plus, plus cette expérience de... sera partagée. Exactement. Exactement. Mais donc, ça veut dire que c'est un effort de tous les instants. Muriel Pénicaud, Bruno Le Maire, l'ensemble du gouvernement, pour ne citer que ces deux-là, sont euh, évidemment tout à fait à la tâche pour qu'on réussisse à gagner cette bataille-là. Ça ne se fait pas en un jour. On mobilise aussi beaucoup de nos efforts pour accompagner ceux qui sont très éloignés de l'emploi. J'étais euh, il y a quelques jours euh, encore euh, à Metz où je visitais des chantiers d'insertion. C'est un, un lieu où on peut aider des gens qui sont au chômage depuis longtemps euh, parfois un peu désocialisé à retrouver euh, une manière de travailler qui leur permette ensuite de s'insérer durablement dont tous les efforts sont réalisés pour euh, en faveur de l'emploi. Alors, à propos de la réforme des retraites, toujours le Conseil d'État, dans un avis rendu vendredi dernier, a estimé, je cite, ne pas avoir eu le temps de garantir au mieux la sécurité juridique de la réforme et a déploré les projections financières lacunaires du gouvernement ainsi qu'un recours aux ordonnances qui fait perdre la visibilité d'ensemble. Comment le gouvernement a-t-il pris cet avis assez sévère euh, que l'opposition et la plupart des syndicats, euh, puisque la plupart sont hostiles euh, à la réforme, ont immédiatement applaudi Alors, ce que je veux d'abord souligner, c'est que le Conseil, conseil d'État a, a considéré que l'ensemble du texte était conforme à notre loi fondamentale qui est la Constitution. Ça, c'est un élément qui est très important. Deuxièmement, ce que je voudrais porter à la connaissance de nos auditeurs, c'est que, euh, la loi que nous le projet de loi que nous avons présenté s'appuie sur une étude d'impact qui est extrêmement fournie. Pour vous donner un ordre de grandeur très oui. simple, c'est près de 1000 pages cette étude d'impact. Oui. Quand je compare avec ce qui a été réalisé pour des réformes précédentes, on est à... Plutôt 88 pages pour la réforme menée en 2010, 137 pages pour celle menée en 2014. C'est vous dire à travers ces propos l'importance que nous avons accordée au fait de faire bien, de faire de manière détaillée, avec des projections financières sur le long terme à 30 ans. Au fond, je crois que ce qu'a voulu dire le Conseil d'État, c'est que il y avait là une réforme que ça de très grande court importance. D'avoir trois semaines pour lire. Pages. Il, y avait une, il, y avait, il y avait une, il y avait là une réforme de très grande importance euh, qui est très mobilisatrice pour notre pays et que, au fond, euh, ils auraient préféré avoir d'un peu plus de temps. Nous, on a voulu aussi aller vite pour laisser de la place au dialogue social. Peut-être que c'est à ça que correspondent les lacunes qu'évoque le Conseil d'État, parce que nous avons souhaité que sur beaucoup de sujets, et en particulier sur le sujet du financement Financement, on donne sa place au dialogue social à travers la conférence des, des financeurs qui débutera la, cette semaine. Il y a une très haute autre institution qui s'est exprimée hier, c'est la Cour de cassation, qui, par la voix de sa première présidente et de son procureur général, a rappelé hier dans un communiqué l'importance d'avoir une justice indépendante. Une réponse aux besoins de procès exprimés par Emmanuel Macron dans l'affaire du meurtre de Sarah Alimi lorsqu'il était en déplacement la semaine dernière. La semaine dernière en Israël. Euh, Est-ce qu'Emmanuel Macron a... Commis une erreur en tenant des propos qui ont pu apparaître comme une sorte de pression sur la Cour de cassation. Je crois qu'il y a une mésinterprétation des propos du président de la République, qui est évidemment extrêmement respectueux de l'indépendance de la justice. Vous dont entendez il est garant, euh, Dont il est évidemment le garant constitutionnellement, et surtout qui, vous savez, très souvent, on interroge les ministres sur telle ou telle affaire, les membres du gouvernement, oui. et systématiquement, on vous fait la même réponse. La justice est indépendante et nous ne commentons pas ses oui. décisions. Ça, c'est ce qu'a voulu expliquer. Le président de la République et il est très attaché à ce principe de séparation constitutionnelle mmh. des pouvoirs. Donc, on ne fait pas dans ce gouvernement de pression sur qui que ce soit. Après, il faut aussi comprendre l'émotion légitime qu'a soulevé cette, euh, cette affaire. Conteste, je crois, euh, ouais. crois qu'il ne faut pas ouais. le contester et je pense qu'il y a aussi besoin d'une parole politique qui, a, qui, qui tienne compte de cette émotion-là euh, et qui puisse aussi dire qu'il euh, y a euh, eu la reconnaissance pleine et entière du caractère antisémite. De ce crime dans l'arrêté de la cour d'appel. Et ça, c'est un élément important, déterminant. Après, la justice suit son cours. Il y a un pourvoi en cassation qui a été porté. On en verra les développements. Il ne nous appartient pas de le commenter, justement. Est-ce que l'autorité d'Emmanuel Macron euh, n'est pas un peu affaiblie par Cédric Villani qui a refusé euh, catégoriquement euh, de retirer sa candidature, de rejoindre Benjamin Grévaux dans la candidature à la, à la mairie de Paris, malgré la demande assez pressante euh, du président de la République qui l'a reçue dimanche moi, je regrette d'abord très profondément que Cédric Villani euh, se soit mis euh, en marge de notre mouvement. Un mouvement... Donc il va être d'ailleurs, euh, a... dans les prochains jours. Un, un mouvement... Bah, écoutez, il s'est mis lui-même en marge de ce mouvement en oui. considérant qu'il souhaite... souhaitait se libérer en quelque sorte des appartenances oui. partisanes. C'est un mouvement euh, qui a permis qu'il soit élu euh, député de la République. Et évidemment, je, je regrette qu'il se mette en euh, marge de ce mouvement. Après, je ne crois pas du tout que l'autorité du président de la République soit remise en cause parce que le président de la République n'est pas dans une position, entre guillemets, autoritaire vis-à-vis euh, -vis de la République en marche, euh, de ce mouvement euh, et de ses adhérents. Bien au contraire, au fond... Est-ce qu'il peut laisser prospérer des lien... querelles intestines comme le, ça, le comme par exemple la biarritz avec... Euh, le, le président, oui. c'est un lien d'unité. Oui. Il a cette force-là qui fait que sa personnalité, son engagement euh, au service du pays dans la construction euh, initiale de ce mouvement, en font en quelque sorte le pilier de notre rassemblement. Euh, vous ne pouvez pas interroger euh, un marcheur qui n'est euh, d'affection. Euh, pour le président de la République euh, d'engagement euh, à ses côtés et donc au fond c'est quelque part son rôle que de préserver l'unité de sa famille politique. Il le fait en tout temps et en tout lieu. Je crois qu'il a eu parfaitement de raison de le faire pour Cédric Villani il met, et il continuera à le il faire. Il n'est pas sur le mode Chirac finalement Emmanuel Macron qui disait un chef c'est fait pour Ce C'est pas comme ça que. Emmanuel je crois qu'Emmanuel Emmanuel Macron, Macron est loin de la caricature qu'on puisse en faire quelqu'un qui est dans une relation verticale aux oui. autres. Bien au contraire euh, il a plutôt euh, je crois le, le souci de ce rassemblement et de cette unité pour notre famille politique. Merci, Simène Diaye. Merci à Bonne vous. Bonne journée.